Bonsoir à tous, bienvenue dans le Facebook Live de ce soir, vendredi, on est en fin de semaine et la bonne nouvelle c'est que les golfs sont demain ouverts. Ouverts. Même si demain la météo n'est pas forcément terrible. Sur le Côte d'Azur en tout cas. Alors un grand plaisir d'être à nouveau en compagnie de mon papa Marc Wallace, salut papa. Hi everyone. Et donc du coup ce soir on va parler un tout petit peu de petits jeux putting et concrètement début de semaine on a fait un live où on a parlé un petit peu de comment est-ce qu'on pouvait optimiser notre temps à l'entraînement, comment est-ce qu'on pouvait mieux utiliser notre temps à l'entraînement grâce à l'aide d'outils pédagogiques. Ouais. Et donc ce live est en partenariat avec Golf At Home cette semaine, qui est un site web formidable qui propose des outils pédagogiques dans tous les compartiments de jeu. Petit jeu, putting, long jeu. Donc au début de semaine, on s'est focalisé sur le long jeu. Et je tiens à passer un gros coucou et un grand merci à Antoine Leleu et à Félicien qui nous ont envoyé en fait tous les produits en express. Franchement, on les a commandés la semaine dernière et on les a reçus en moins de 3 jours. Et on a reçu tout ça. On a le filet, on a le tapis, on a le CS2, le tapis de putting. On a l'impact bag et le speed trap qu'on vous a montré en début de semaine. On a parlé un peu de le long jeu. Et encore une fois, on a des partenaires au niveau de ces Facebook Live avec le journal du golf. Donc depuis ce deuxième confinement, évidemment, il y a beaucoup de partenaires qui ont voulu participer à ces lives. Et en fait, on a principalement sélectionné les partenaires en fonction des outils qu'on utilisait avec nos élèves. Donc on ne vous conseillera jamais des outils qu'on n'a jamais utilisés auparavant, d'accord ? Donc tous les outils que vous voyez là, c'est des outils que j'ai déjà utilisés auparavant à Paris. Donc vous savez, pour la majorité d'entre vous qui ont tendance à me suivre chaque semaine sur la page du journal du golf, je suis basé à Boulogne-Billancourt, je coach au golf Paris-Longchamp. Et donc tous les outils que vous voyez ici, je les ai dans mon académie à Longchamp. Et le but, c'est de vous montrer comment est-ce que je m'organise avec mes élèves, quels outils je leur conseille pour leur permettre d'améliorer leur jeu. D'accord ? Donc même si encore une fois Golf At Home est partenaire des lives cette semaine, on ne vous conseillera jamais des outils auparavant. Et la super bonne chose avec Antoine, parce que pour les personnes qui ne savent pas, Golf At Home c'est un site français. Donc beaucoup de personnes ont tendance à penser que ces outils pédagogiques en général on les retrouve soit aux États-Unis, soit en Grande-Bretagne, soit en Asie. C'est un site 100% made in France. Et Antoine, là où j'ai beaucoup de respect pour Antoine, c'est parce que ça fait plusieurs années qu'on se connaît maintenant, Antoine Leleu, qui est le PDG de cette boîte Golf At Home. Et à chaque fois qu'on s'est au téléphone, je vais vous présenter un produit que j'utilise tout le temps, mais vraiment, en tout cas tous mes élèves qui ont tendance à cueillir ma balle, j'ai un remède à travers un outil pédagogique que j'utilise systématiquement avec mes élèves depuis le mois de juin. Et cet outil n'était pas disponible à la base sur le site Golf At Home. J'ai appelé Antoine, je dis à Antoine, écoute, j'ai trouvé un produit formidable. C'est un outil pédagogique que j'utilise avec tous mes élèves qui ont tendance à cueillir la balle. Je pense vraiment que tu devrais le mettre sur ton site. En moins de 3 jours, le produit était sur le site. Donc c'est un PDG français qui est vachement à l'écoute des pros, des coachs, des enseignants français. Et par rapport à ce qu'est-ce qu'on leur conseille. Donc là où je tiens à le remercier, c'est que du coup, le TRS que j'ai reçu ici, je vais vous le montrer en application et je vais vous montrer comment en moins de 5 minutes, vous pouvez passer à des mains qui vont se retrouver en face de la jambe droite, à des mains qui vont se retrouver en face de la jambe gauche. Et on va parler du pourquoi du comment pour ceux qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'on doit placer ses mains correctement sur la jambe gauche à l'impact. Okay ? Donc papa, on a un setup qui est plutôt pas mal. Hein. Génial. Franchement, c'est super. Je t'ai quitté cette semaine. Hein. C'est gentil et je profite tous les jours, je tape les balles. C'est ça. C'est gentil que je t'ai quitté. Franchement, c'est très sympa à Golf At Home. Et pour juste confirmer qu'a dit le fils, hein, Louis, c'est que moi, à l'époque, j'ai travaillé avec les outils aussi. C'était souvent fabriqué maison. Hein. Ce n'était pas des choses qu'on trouvait parce qu'on ne trouvait pas. Sauf aux US et ça prenait 6 mois pour venir. Et donc on fabriquait un peu nos outils. Et je suis très content de voir quand même maintenant qu'on a tous ces outils disponibles. Ouais, on va montrer d'ailleurs le TRS que je vais vous conseiller. Alors je vais le montrer juste après papa, mais ouais. En l'occurrence, mon père m'a montré sa version, sa version 1.0 qu'il avait construite dans les années 80. Et puis aujourd'hui, on a la version 2.0 de l'outil. Alors, donc vas-y papa, montre-nous un petit peu. Comment tu l'as construit, en quelle année? Alors d'abord. Mets-toi ici sur le tapis, voilà. Papa. Regardez en même temps s'il y a des commentaires. Et ouais. Au passage, juste avant que tu prennes la parole, papa, ouais. Si vous nous entendez correctement, parce qu'aujourd'hui, on a 2 micros Bluetooth. Donc, si vous nous entendez correctement, on sait que vous nous voyez. Si vous nous entendez correctement, dites-nous simplement un son OK dans la zone de commentaires pour nous assurer qu'on n'est pas en train de parler dans le vide.
Donc dites-nous dans la zone de commentaires, s'il vous plaît. Moi, je vais regarder un petit peu les commentaires qu'il y a, les personnes qui sont connectées. Dites-nous si vous nous entendez correctement maintenant dans la zone de commentaires. Merci beaucoup, papa. Alors, montre. Ça, c'est... alors ça, montre... effectivement, par rapport à l'outil qui va vous montrer Louis, c'est trois fois plus lourd, hein, parce que c'est un tige en métal qu'on enfonce dans les grippes. Et je trouvais ça, en fait, dans mon petit cabane, là, où j'avais plein de petits outils. Et c'était un club, j'avais plusieurs, ça c'est le Sun Wedge, il y a plusieurs, où j'enfonçais carrément un tige métal dans le shaft. Et comme ça le permet, en fait, de travailler, voilà, avec la tige contre les hanches. Voilà, ça vous permet de travailler donc à la fois les chippings, hein, pour éviter quand même les fameux coups de poignet qu'il faut éviter. Voilà, et... voilà, et aussi un demi-swing. Ça vous permet aussi de vérifier le plan du swing, etc. Mais lui aussi va rentrer un peu plus dans les détails. Donc ça, en fait, c'est voilà, fabriqué maison. Hein. C'est pas en vente, mais voilà. Donc maintenant, avec le celui-là qui va monter Louis, qui est cinq fois plus léger, est beaucoup plus simple à monter sur le shaft. Quoi. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on utilise cet outil, papa ? À l'époque où tu as construit ce shaft, ouais. Montre-nous un petit peu comment est-ce que toi, tu le mettais en application avec les élèves de ton académie. Ouais, comme je viens de le montrer vite fait, mais c'est tout simplement, c'est pour éviter qu'à la moment de l'impact, qu'on donne un gros coup de main droite, comme ça, voilà, et la tête du club dépasse les mains, et on a tendance à ce moment-là à faire soit les grattes, au soir... Papa, est-ce que tu peux juste reculer un tout petit peu? Oui, parce que du coup, il y a un petit logo. Voilà. Alors, malheureusement, donc, je préfère le préciser. Le logo NDI, c'est l'application qu'on utilise pour faire ces lives. Donc, mille excuses par avance. Si vous voyez ce petit logo apparaître, on n'arrive pas à l'enlever pour l'instant. Donc, papa, juste reste sur le tapis principal de notre... Si je prends un sand wedge où je n'ai pas les tiges, voilà. En fait, le grand défaut souvent chez les joueurs, c'est d'arriver ici, d'avoir peur de ne pas peut-être lever la balle assez rapidement et hop, de faire un petit coup de main droite comme ça. Et soit on touche derrière la balle, soit on fait un petit top. Voilà, à ce moment-là, bon, le coup va être très irrégulier. Donc, si je le fais le petit coup de poignet, vous voyez bien que quand j'arrive ici, le manche, il va vers là-bas. Donc, si je prends le made in... Made at home. C'est voilà. Pas Golf at Home, c'est Made at Home. Voilà, MW, Mark Wallace, système. Voilà, dès que j'arrive à la balle, je donne un coup de main droite, clac, ça tape contre les hanches. Donc ça nous oblige à tourner et à garder les mains bien ensemble, alignés avec le bras. Voilà, tout simplement. Donc on faisait des stages, j'avais souvent 4 ou 5 de ces outils pour permettre les élèves de se sentir tout de suite. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est très lourd. Quand je le vois par rapport à celle-là que tu vas me montrer, c'est trois fois plus lourd que le tien, quoi. Alors, plusieurs choses. Déjà, premièrement, cet exercice qu'on va vous montrer, il existe depuis 20, 30, une trentaine d'années. Donc, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire dans le sens où c'est simplement une compagnie très intelligente qui ont pris le concept d'un exercice qu'on utilise depuis le début des temps, notamment pour ceux qui l'ont déjà fait peut-être avec une baguette d'alignement qu'on place, vous savez, sur le côté du club, sur la partie gauche du corps et qu'on continue à tourner. C'est quelque chose que moi j'ai fait pendant plusieurs années, mais c'est très inconfortable et c'est vraiment pas du tout... quand on le tient dans les mains, en fait, on a la baguette d'alignement qui glisse, donc c'est vrai que l'évolution de ça, c'est de faire ce qu'a fait mon père, c'était de planter et carrément de construire et... un outil qui soit un vieux shaft, soit un tiège en métal. Ouais, le problème avec ça, c'est qu'on ne peut pas l'enlever du club. Ouais, donc il fait que... Et on peut l'utiliser uniquement avec un club. Ouais. Et comme tu dis, l'équilibre du club est du coup complètement déséquilibré. Quoi. Ouais. Donc en l'occurrence, là où c'est top, ça c'est un petit embout. Donc je vais vous montrer en fait comment je l'utilise. Et cet outil-là, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux. En regardant Tommy Fleetwood qui s'entraînait sur un tournoi du European Tour et je l'ai vu avec cet outil pédagogique. Et donc moi, je suis toujours très attentif de ce que les joueurs du circuit font parce que, comme je l'ai dit en début de semaine, j'ai l'énorme chance et l'énorme opportunité tous les ans de voyager peut-être 7 à 10 fois sur le circuit européen, évidemment pas cette année avec le Covid, mais une petite dizaine de fois sur l'année, j'ai l'occasion d'aller sur les tournois et mes moments préférés sur l'European Tour, c'est le lundi, mardi, mercredi. Et la raison pour laquelle c'est mes moments préférés, c'est parce que j'ai l'occasion de voir les joueurs en action, c'est-à-dire j'ai l'occasion de voir comment les joueurs du tour s'entraînent. Et je trouve qu'on peut réellement s'inspirer de voir l'entraînement qualitatif qu'ils mettront en application pour leur permettre d'être aussi performants tout au long de la semaine, du jeudi au dimanche. Parce qu'en fait, il y en a très peu qui font des entraînements sans les outils. En tout cas, il y en a très peu qui font des entraînements qui ne sont pas structurés. Ouais. Donc l'entraînement 1 est déjà très structuré.
J'ai l'occasion d'échanger avec Julien Guerrier, qui est vraiment un mec top, un joueur formidable, un swing magnifique et un être humain encore mieux. Il est juste un mec qui est au top. Et il n'utilise pas ça, mais à l'île Maurice, quand je l'ai vu au mois de décembre, Julien me parlait du fait que l'année 2021, pour lui, ça va être une année où il allait vraiment structurer ses séances d'entraînement à la fois avec son coach et son caddie. Donc son coach Jeff Luquin et son caddie Sébastien, que tu connais. Du coup, ils structuraient leurs séances d'entraînement d'une façon à ce que ça soit très qualitatif. Nombre de répétitions de balles, donc 7 à 10 balles précises avec un exercice en particulier, avant de passer au prochain atelier. Imaginez, c'est comme quand vous allez dans une salle de sport, vous faites 10 pompes, ensuite vous passez aux séries d'abdos, ensuite vous faites des sprints. Et tout ça, c'est quand vous avez un coach avec vous dans une salle de sport, c'est des ateliers que le coach crée. Eh ben, c'est un peu la même chose qu'on retrouve maintenant sur le circuit européen, qui n'était pas forcément le même cas de ton époque. Les gens ne s'entraînaient pas forcément de cette façon-là. Et aujourd'hui, c'est très, très structuré, millimétré, sur un entraînement très qualitatif. Donc, on peut s'inspirer de ça parce que quand j'ai l'occasion d'aller au golf Paris-Longchamp et que je vois les joueurs amateurs qui s'entraînent à droite et à ma gauche, et je vois que c'est tout le temps la même chose, c'est-à-dire deux sauts de balle, on met les sauts de balle dans le petit panier devant, et les joueurs enchaînent une balle après l'autre, et on y va, et il n'y a aucun feedback. Et les joueurs qui souvent s'entraînent comme ça, qui est pour dire 80% des joueurs que je vois, c'est pour dire plus, me posent la même question systématiquement. Lewis, comment ça se fait que je tape si bien au practice, mais quand je vais sur le parcours, j'arrive pas aussi bien performer que sur le practice? Bah ça, c'est parce que vous vous entraînez dans un contexte qui n'a absolument rien à voir que les conditions que vous retrouvez sur le parcours. Donc il faut savoir que dans votre séance d'entraînement, et je fais une petite aparté sur l'entraînement, c'est que dans une séance d'entraînement, vous avez trois phases. Vous avez le bloc practice qui est la partie répétitive, c'est là où on est à la recherche d'une sensation. C'est là où j'adore utiliser des outils pédagogiques parce qu'on essaie de créer des sensations qui sont différentes que lorsque le joueur n'a pas d'outils pédagogiques. Pour moi, les outils pédagogiques, je les appelle des outils de feedback. Pour ceux qui ont suivi le live en début de semaine, vous savez de quoi je parle. Donc, j'utilise l'outil pédagogique dans les phases 1 de mes séances de coaching. On est à la recherche d'une sensation qui est différente de ce qu'on fait. La phase numéro 2, j'enlève l'outil et on essaie de reproduire les mêmes sensations sans l'outil, mais on essaie de retrouver les sensations de la phase numéro 1. La phase numéro 3, c'est la phase de ce que j'appelle la phase de performance. Donc c'est là où je vais mettre le joueur en condition de parcours, je vais lui mettre un peu de pression et je vais voir s'il a la capacité de répéter la sensation qu'on a si bien faite dans la phase numéro 1 et 2 en mode un peu de pression. Donc des fois, je me retrouve à faire des petits jeux avec mes élèves. Des fois, je dis, on va jouer l'apéro. Si tu perds, j'ai un élève qui a un restaurant dans Paris et je lui dis, écoute, si on fait un petit pari tous les deux, on va jouer à la fin de la séance, je l'ai mis en situation, je dis toi contre moi, si tu perds, tu m'invites dans ton restaurant avec ma femme, 5 étoiles, tu nous mets entrée, plat, dessert, tu nous invites la totale. Et du coup, ça a mis un petit coup. Et en contrepartie, tu n'as pas posé quoi si tu... Un cours. Non, un green fee. J'avais dit, écoute, je t'offre un green fee dans le golf de ton choix. Ouais. D'accord ? Ouais. Et donc du coup, ça met un peu de piment, ça met un peu de pression. Et ce n'est pas du tout la même chose quand on joue sous pression que lorsqu'on joue. Et donc les amateurs sont devant le tapis, tapent des dizaines de balles. Ils tapent en général en moyenne 2 à 3 sauts de balles quand ils vont s'entraîner. C'est ce que je vois à Longchamp. Là, 2 à 3 sauts de balles et puis c'est systématiquement la même chose. Donc, variez votre entraînement. Mon père l'a dit en début de semaine, c'était très juste. Déjà, c'est ennuyant de tout le temps faire la même chose. Ouais. Et donc, le fait d'utiliser des outils comme celui-ci, ça nous permet en fait de le rendre un peu feedback. Et puis de le rendre plus fun aussi, de se challenger. Plus amusant, Donc, voici l'outil. Tout simplement, c'est, je ne sais même pas comment l'expliquer en fait. Une tige qu'on vient accrocher au club. Donc là, je vais le mettre par-dessus. Ça aussi, c'est ça. Et je parlais de Maurice là, il y a quelques minutes, donc à l'île Maurice au mois de décembre. La première personne en fait qui m'a fait découvrir cet outil, c'est Raphaël Jacquelin. Et c'est dommage, j'avais pas pensé à ça, mais avant le live, j'aurais dû mettre. Je vais voir si j'ai la vidéo. Je crois que j'ai la vidéo de lui sur mon ordinateur, donc je vais essayer de l'incruster dans le live pendant que mon père fera l'intervention putting. Mais donc du coup, Raphaël Jacquelin s'entraînait avec cet outil à l'île Maurice. Et en fait, Raphaël était en train de faire exactement ce que je vais vous montrer à travers l'exercice qu'il faisait. Et Raphaël, quand j'ai eu l'occasion, un mec. Encore une fois, comme Julien Guerrier, super sympa, un joueur formidable, plus de 20 ans sur le circuit. Et Raphaël, j'ai eu l'occasion de faire un live avec lui durant le premier confinement. Et Raphaël, en fait, m'a indiqué
qu'une de ses problématiques mécaniques, c'est qu'en fait, il cherchait un peu plus de compression de palle et un peu plus d'engagement du corps dans la balle. Donc, c'est ce que Raphaël cherchait parce qu'il avait, en l'occurrence, l'habitude de swinger un peu plus avec les bras et les mains et pas autant d'engagement du corps. Donc, il s'est dit pour avoir un peu plus là, de compression. Là, on parle pas de petit jeu, là, on fait du swing. Hein. Ouais, voilà, parce qu'en fait, on peut l'utiliser à la fois pour le petit jeu et pour le long jeu. Raphaël l'utilisait pour le long jeu. Donc, Raphaël, en fait, tout simplement, en mettant cet outil sur le club, s'est retrouvé avec... Alors, on fait ça avec un pitch ou un fer neuf. Et en fait, il se plaçait devant la balle. Et vous voyez que maintenant, l'outil est placé sur la partie gauche du corps, des obliques. Et à partir de là, ce qui se passe, c'est que Raphaël, Jacquelin, donc, avait une tendance à jouer un petit peu trop avec les mains et les bras. Donc, se retrouver avec les mains un peu plus en face de la balle au moment de l'impact. Alors, j'exagère peut-être un peu plus. Mais ce qu'on voit, nous, avec la majorité des amateurs qui ont des problèmes de contact, c'est que soit les mains sont en face de la balle ou soit les mains se retrouvent en arrière par rapport à la balle, ce qu'on appelle cueillir. Donc, c'est là où, comme mon père l'indiquait, on peut avoir des problèmes de contact, des tops, des sockets. Mais en l'occurrence, quoi qu'il arrive, la balle n'est pas compressée de la bonne façon avec les fers. Donc, c'est là où cet outil il est top parce que ça nous permet de pas forcément ressentir que les mains sont en avant, mais ça nous permet de libérer le corps pour avancer les mains. Parce que, le fait que les mains soient en arrière, c'est une conséquence au fait que le corps qui est le moteur du swing n'a pas été fonctionnel durant le swing. Donc, ce qu'on veut, c'est suffisamment de rotation du corps pour nous permettre d'arriver dans une position où les mains sont en face de la jambe gauche ou légèrement à l'intérieur de la cuisse gauche. Et là, en l'occurrence, ce qui va se passer, c'est qu'on va louper l'outil, on va le louper sur le côté gauche. Alors, quoi qu'il arrive, vous allez toujours, pour ceux qui vont l'acheter, vous allez toujours avoir un minimum de contact avec le corps. Et c'est OK. Et je dis toujours que l'intensité du contact entre l'outil et le corps va en quelque sorte vous donner le feedback si vous avez fait un bon contact de balle ou pas. Si vous avez fait un bon contact de balle, vous allez le sentir légèrement sur le côté gauche. Mauvais contact de balle, ça va fouetter un peu. Ça va faire un peu mal. Commencez par les petits coups d'abord. Exactement, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs au petit jeu aujourd'hui. Ouais. J'ai un 50 degrés dans la main, je vais commencer sur des petites approches, juste comme ça. Et en fait, ce que je vais faire, si je vous montre de face, c'est que je vais tout simplement chercher à finir dans cette position-là. Le club et les mains sont à gauche de mon corps, donc jamais devant, mais vraiment ici. Donc ça nous signifie que le corps a engagé le club correctement et qu'on s'est retrouvé dans cette position-là. Et là, l'outil est maintenant sur ma partie gauche. Ce que je vois beaucoup au petit jeu, c'est souvent cette chose-là. Donc si je prends le club, tiens papa, tiens-moi ça. Mais c'est souvent aussi pas que... Ce que je vois, c'est ça papa, regarde. C'est vraiment ça. Alors, ça ne me dérange pas que quand vous arrivez chez les grands joueurs, on voit souvent cette position-là. Okay. Mais ce que j'aime bien travailler avec ça, c'est on exagère la sensation de la rotation du corps et la rotation du club pour la retrouver vraiment sur cette partie gauche ici. Si vous allez cueillir, vous allez vous retrouver dans cette position-là. Donc, ce qu'on veut, c'est transformer ça à ça. Et c'est là où l'outil est hyper efficace en termes de feedback. Pour moi, c'est aussi une question mentale parce que je pense que le jeu le week-end, sans parler des professionnels, ça met tout sur le tapis. Le jeu le week-end, il a toujours cette tendance à dire, je ne vais pas monter ma balle, je vais peut-être faire un top, je vais peut-être faire un cut, donc je vais aider la balle à monter. Hein, donc, ils arrivent souvent à l'impact, ou juste avant l'impact, il faut que je monte la balle. Donc, un petit coup de vite fait avec les poignets pour lever la balle. Et effectivement, comme dit Lewis, le tige va frapper fortement contre le côté gauche. Donc, c'est très important, comme il dit, c'est d'arriver sur la balle avec une bonne rotation du corps qui va vous permettre d'avoir les mains toujours en avant et surtout d'avoir une attaque de balle en descendant et une attaque de balle constant, de ne pas changer l'ouverture du club. Donc voilà, l'avantage avec cela, franchement, c'est que vous pouvez enlever, vous pouvez mettre sur votre fer 7, votre pitching wedge, faire même un peu de chipping très courte comme ça, voilà, le petit chip. Recule un tout petit peu, papa, pour qu'on puisse te voir sur le tapis. Donc si on part sur un petit chip avec les pieds un peu plus serrés, les mains toujours un peu en avant, clac, clac. Si je fais mal, si je donne un petit coup, clac, ça tape. Ah, c'est assez souple en plus, donc ça ne fait pas de mal. Voilà, j'ai élargi un peu la stance. Exactement la même chose, le corps ouvre. Comme ça, les mains restent toujours en avant de la balle. Ce que j'aime bien aussi avec ça, c'est qu'on peut travailler aussi le plan du backswing. Tout simplement, on se place devant la balle. On commence le backswing tout doucement. On arrive ici, on arrête et on voit que le club est tout à fait parallèle avec les pieds. Voilà, dans cette position-là, je monte un peu plus haut. Et là, je vois le tiège qui pointe intérieur à la ligne de jeu ou sur la ligne de jeu si vous préférez, mais surtout pas en arrière. Donc en fait, c'est bien pour l'impact, mais aussi bien pour... Tu peux nous taper quelques balles, papa, pour nous montrer un petit peu aux internautes comment bien on l'utilise. Bien sûr. Donc je vérifie. Donc un petit chip d'abord, hein, pied un peu serré. Voilà, petit chip, clac. Et comme dit Lewis, on peut toujours
Voilà, plier un peu les bras pour créer un peu de spin sur la balle si on veut. Hein? En position plutôt comme ça. Voilà, pour créer un peu de spin sur la balle. Le moment que le tiège ne tape, ne tape pas contre la hanche, c'est toujours bon. Voilà. Et là, si je pars maintenant sur un swing un peu plus ample, stance un peu plus large, voilà, je peux vérifier si le manche est parallèle avec les pieds. Voilà, si la tiège pointe bien sur la ligne de jeu ou à l'intérieur de la ligne de jeu. Voilà. En fait, c'est excellent. En fait, excellent que c'est léger et c'est souple. Donc, il n'y a pas de risque de faire mal. Alors, je veux juste rappeler aux internautes, aux personnes qui nous regardent, que le but ici, parce que je veux juste que les gens comprennent ce qu'on... Nous, on ne prend absolument aucune commission sur ces outils. Okay, donc, on veut que les choses soient très claires. Absolument. On vous propose des outils qu'on utilise au quotidien avec nos élèves. D'accord ? Golfatom, qui est partenaire, parce qu'on m'a posé la question, Lewis, combien ça coûte ? En fait, j'en ai aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque où je l'avais acheté, il n'était pas encore disponible sur Golfatom en début d'année, quand j'ai commencé à l'utiliser avec mes élèves, et c'est là, encore une fois, pour les personnes qui viennent se connecter, je raconte la petite anecdote d'Antoine Leleu, qui est le PDG de la boîte Golfatom. Et c'est made in France. Hein. Golfatom, c'est 100% français, le site web. Donc, quand vous allez acheter sur ce site, ça va être livré en moins de 2-3 jours. Et en l'occurrence, à l'époque, je l'avais commandé en Grande-Bretagne parce que l'outil pédagogique avait été construit par des Anglais. Et en fait, ce que je peux vous dire, c'est que les frais de port en Angleterre, j'en avais pour à peu près 25€. Et donc, j'avais appelé Antoine il y a un mois. Et ça serait plus cher encore en janvier. Hein. Ouais. Avec le Brexit, bravo. Et j'ai appelé Antoine il y a un mois, je dis Antoine, j'ai trouvé un super outil pédagogique. Il faut absolument que tu le rendes disponible sur ton site. En moins de 3 jours, il était disponible. Et en l'occurrence, les frais de port sont passés de 25 à moins de 10€, je crois. Donc du coup, l'outil pédagogique, vous pouvez le voir, ça s'appelle TRS hein, sur le site Golfatom. Et je veux encore une fois vous rappeler que la raison pour laquelle on fait ce live, c'est pour vous raconter un petit peu comment nous, on s'organise avec nos élèves. Ce n'est pas pour essayer de faire du télé-shopping et vous dire, bah tiens, achetez. Non, c'est comment est-ce qu'on l'utilise par rapport à une problématique technique qu'on voit, qu'on constate au quotidien. Le nombre d'élèves qui passent par mon académie, et qui cueillent la balle, c'est dingue. Je dirais que c'est plus de 50% des joueurs amateurs qui, qui ont un index entre 10 et 30. Ouais. Je dirais que plus de 50% ont tendance à arriver à l'impact avec les mains en arrière par rapport à la balle. Je vois ça et je vois ça, donc les mains en face de la jambe droite. Et donc, quand je place cet outil sur un élève, l'élève, bon, déjà, il y a l'explication mécanique qui va avec, chose qu'on a faite à travers ce live. Pour ceux qui viennent se connecter, vous pouvez le regarder en replay. Dans les 20 premières minutes de ce live, on a parlé du pourquoi, du comment, pourquoi les élèves avaient tendance à gratter justement parce que les mains arrivent légèrement en arrière. La conséquence, c'est que le moteur du swing, le corps ne fonctionne pas correctement. Donc, du coup, quand le corps ne fonctionne pas correctement, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les mains prennent le dessus. Je prends toujours une image visuelle qui parle, c'est que je dis toujours que le corps est le général et les mains et les bras sont les soldats. Et donc, les soldats ont besoin d'un général pour avoir les instructions. Et donc, le général qui est le corps, si à un moment donné, il n'est pas présent, les soldats vont faire ce qu'ils veulent. Et si les soldats font ce qu'ils veulent, c'est l'anarchie. Ça va partir dans tous les sens. Ouais. Donc, du coup, si les soldats prennent le dessus, donc les mains, si les mains prennent le dessus parce que le général ne guide pas, n'est pas le leader dans le swing, ce qui va se passer, c'est que les mains vont prendre le dessus et là, ça va être problématique. Donc, mais souvent lié à la mentale aussi, parce que la peur de pas... La peur aussi, on reste en arrière. On veut monter là-bas, donc on reste en arrière. Voilà. Beaucoup de joueurs, là, une fois, on essaie de revenir toujours aux approches, même si là, on peut l'utiliser pour le long jeu, mais aux approches, les élèves qui se retrouvent peut-être derrière un bunker ou derrière de l'eau, il y a un obstacle sur le chemin, donc la peur fait qu'on on se retient. J'exagère évidemment pour le but de ce live, mais on reste un petit peu sur la jambe arrière. Et là, boum, tout de suite, les mains vont répondre en conséquence de ça. Donc effectivement, il y a peut-être un travail mental à faire. C'est pour ça que l'entraînement est tellement important, parce qu'on veut associer dans une séance d'entraînement à la fois de la mécanique, de la répétition qualitative, et puis en même temps des mises en situation de pression, de stress qu'on peut retrouver sur le parcours. Donc ça, je l'utiliserai. Pour ceux qui viennent se connecter, je vais juste me répéter une dernière fois. On vous montre comment on s'organise dans nos séances de coaching. Et donc dans la phase numéro 1 de mes séances de coaching, quand c'est une problématique mécanique, je travaille d'abord avec des outils de feedback comme celui-ci pour permettre aux joueurs de ressentir des choses différentes qu'ils n'avaient pas auparavant. Et je peux vous dire que quand je mets ça,
les sensations sont complètement différentes. Ouais, c'est comme si on dit à quelqu'un, bah, arrête de jouer avec le poignet, arrête de passer ma droite devant ma gauche. Ouais, mais c'est facile. C'est facile à dire. Voilà, c'est ça. Mais c'est il faut sentir, sentir la différence entre une bonne position à l'impact et une mauvaise. Et tous les joueurs amateurs que j'ai l'occasion de croiser, vous êtes tous super intelligents. Enfin, vous arrivez devant, vous savez que vous avez les mains en arrière, vous savez que vous cueillez la balle, mais vous n'arrivez pas à corriger. Et donc la correction, pour moi, beaucoup de fois, elle vient par des outils de feedback qui vont permettre de chercher quelque chose de différent qu'on l'a fait auparavant. Une dernière chose pour ceux qui vont avoir le TRS, parce que ce que j'ai constaté, c'est deux choses quand les élèves amateurs jouaient avec le TRS. La première, c'est que c'est très important, quand vous allez taper le coup, de ressentir que les mains disparaissent à gauche à l'impact, donc elles vont aller vers la gauche de la cible. Beaucoup de fois, des joueurs vont exagérer la sensation et vont se retrouver à essayer de faire ça. Et en fait, quand les mains travaillent vers l'extérieur de la cible, donc j'exagère évidemment pour le but de cette vidéo, mais beaucoup de fois, je vois ça, et ça cause des sockets. Parce que du coup, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que plus les mains font ça, plus la balle se rapproche du talon du club. Donc, ce qu'on veut, donc si vous avez tendance, quand vous allez choper cet outil, et c'est arrivé plein de fois avec mes amateurs au début, et d'ailleurs, je leur ai dit, écoute, c'est possible que dans les 10 premières minutes, tu fasses des sockets, juste pour te prévenir. Et donc là, ce qui se passe, c'est que quand l'élève fait une socket parce qu'il essaie de faire ça, j'ai essayé de faire une socket. C'était pas mal, ouais, c'était pire qu'une socket, c'était carrément derrière la classe. Ouais, mais j'essaie d'exagérer pour le but de cette vidéo. Bien. Et là, ce que je dis, c'est que ben, quand tu vas tourner le corps, je veux que tu essaies de sentir que les mains tournent vraiment vers la gauche. Donc ce qu'on veut, c'est sur cette sensation mécanique, c'est que le corps s'engage vers la gauche, et que les mains tournent de cette façon-là ici. C'est ça qu'on veut. Et d'ailleurs, en face de la poche gauche. Regardez tous les joueurs de haut niveau. Toutes les semaines, quand vous avez l'occasion de regarder les joueurs sur l'European Tour à travers les différentes chaînes télé, PGA Tour, European Tour, tous les joueurs au petit jeu ou sur le wedging seront dans cette position-là. Ils ne seront jamais ici. Ils ne seront jamais là. Ils seront toujours engagement. Et d'ailleurs, quand on parle de wedging, quand on regarde un Rory McIlroy, c'est toujours cette position, boom. Même le chipping, c'est mini. Le chip, ouais, exactement. Même le chipping, le tout petit coup, de là à là, il y a cette rotation du corps. Déjà, on est déjà un peu ouvert à l'adresse, forcément, mais il y a toujours cette rotation de corps qui va permettre les mains de toujours rester en avant. Donc, pour finir là-dessus, parce qu'après, on va passer au putting rapidement. L'objectif, c'est que ces lives durent une demi-heure. Je crois qu'on va dépasser un tout petit peu. Donc, on s'excuse auprès de Rémi Rivière, qui est derrière la technique, qui regarde ce live de Paris. Rémi, on s'excuse auparavant. On parle beaucoup aujourd'hui. Mais parce que c'est quelque chose qu'on voit très, tellement fréquemment, papa. Ouais. Les élèves qui ont cette faute-là, je la vois toutes les semaines. Il n'y a pas une semaine qui passe où j'ai les amateurs que je rencontre pour la première fois qui n'ont pas la problématique qu'on a évoquée, le fait d'avoir les mains en face à droite. Donc, plusieurs formes. Au chipping, ça ressemble à ça. Petite approche, ça c'est au chipping. Ensuite, au pitching, donc on va augmenter un petit peu l'amplitude, on arme un tout petit peu les poignets, la balle est un peu plus au centre. Là, pareil, même dynamique, les mains finissent à gauche. Okay, c'est juste que je m'organise différemment, le backswing est un peu différent. Maintenant, au wedging, la balle au centre, okay, plus d'amplitude, boum. C'est la même chose à la traversée, la même chose. Et petite dernière chose, parce que pour le backswing, mon père en a touché un mot, mais pour ceux qui viennent de se connecter, formidable, checker le plan du swing. Boom. Et à vérifier bien que la tige pointe entre la balle et les pieds. Ça, je vous promets, hein, si je filme 10 golfeurs de jouer au week-end, très fréquent, mi-backswing, la manche, elle vise loin de devant la balle comme ça. C'est plus fréquent que ça. Hein. Ouais, on le voit aussi, mais, ouais. mais c'est rare, on a tendance à voir ça. On parle tous de rotation du corps, etc. Ouais. Mais là, le club couché derrière, au retour, vous allez faire forcément remettre le club comme ça. Et peut-être vous revenez par l'intérieur, mais 9 fois sur 10 par l'extérieur, donc c'est slice, etc. Donc on peut s'en servir également pour le backswing. Moi, j'aime bien m'en servir en deux temps. Je fais mon backswing, boum, je vérifie. Quand je l'utilise, le TRS, tout ça, ce que je m'entraîne avec. Et là, boum. Et boum. Voilà. Parce que même si on approche un demi-swing, si le club est couché derrière, ça peut faire 15-20 mètres à gauche. C'était mon problème, papa. Ah, oui, c'est facile, 15-20 mètres à gauche, c'est bunker ou on loupe le green.
Ça fait plusieurs mois que tu me dis, Lewis, j'ai jamais vu aussi bien taper. Ça fait des années qu'on travaille sur le plan, qu'on travaille sur les mains à l'impact. Et c'était tout lié. En fait, moi, j'avais tendance à voir le club qui couchait derrière. Je revenais légèrement par-dessus et puis j'avais les mains qui cueillaient. J'exagère. Mais toute ma vingtaine, mes débuts vingtaine, c'était ça. Mes problématiques étaient ça. Maintenant, à travers justement un meilleur entraînement, et d'ailleurs, je m'entraîne beaucoup moins que lorsque j'avais avant de passer pro. Quand j'étais amateur, je m'entraînais 10 fois plus qu'aujourd'hui. Mais puisque j'ai plus de connaissances de la qualité de l'entraînement, de comment il faut s'entraîner, qu'on peut être plus efficace en 20 minutes qu'en 3 heures. Avant, je m'entraînais des heures et des heures et des heures, mais je m'entraînais mal. Je m'entraînais mal. Donc là, meilleur plan de swing et meilleure compression de balle à l'impact. Papa, je crois qu'on en a assez dit. On a assez dit. Juste une petite question. On va parler de putting. Voilà, j'ai juste une petite question à poser. C'est quoi le plus énervant? Un gratte devant un obstacle d'eau frontal ou de louper un putt à 1m20, 1m30? Elle gratte. Ah bon? Parce que ça dépend dans quel contexte. Si c'est un putt pour gagner le match. Oui, on va dire les deux. C'est quand même assez pénible. Mais la gratte, ça fait un moment qu'elle n'est pas arrivée. Mais surtout dans un par 5, troisième coup, boum dans l'eau. La gratte, si elle arrive. C'est assez énervant. Parce que le problème, c'est que quand tu fais une gratte, quand tu fais ta prochaine approche, tu réfléchis à la gratte que tu viens de faire. Oui. Et quand on voit des joueurs de pro, par exemple, à la télé, c'est déjà arrivé à plein de joueurs de gratter la balle, ils ont l'occasion de rebondir rapidement derrière. Ça arrive comme assez rare. Moi, je trouve que de louper un putt à 1m20, 1m50, oui, c'est vrai. Pour les joueurs pro, je dirais que c'est peut-être plus frustrant de louper le putt à 1m20 parce qu'ils ne grattent jamais. Oh, même, je crois que les joueurs le week-end, de louper 4 ou 5 dans une partie de cette distance-là. Dites-nous dans la zone de commentaires. Oui. Dites-nous dans la zone de commentaires. C'est quoi le plus énervant? Qu'est-ce qui est le plus énervant? Et vous allez le résumer en une phrase. Oui. Gratter une approche ou louper. Non. Devant un obstacle d'eau frontal. Alors ça veut dire que tu rentres dans. Donc la balle gratte dans l'eau, les épaules baissent, qu'est-ce que je fais? Je reprends une balle, je drop à l'ancienne. Okay. Donc qu'est-ce qui est plus en avant? Gratter une approche devant un obstacle ou louper un putt à 1m20 pour un birdie ou n'importe, pour gagner un match. Et on commence à danser, à énerver. Je pense que moi, c'est ça. Ça, on peut corriger. Alors papa, je te laisse passer sur l'aspect putting. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la caméra numéro 2 sur l'aspect putting avant de vous quitter pour ce soir. Encore une fois, le live dure un petit peu plus de temps que prévu, mais c'est parce qu'on prend tellement de plaisir à être ensemble et à partager ces moments avec vous. Papa, je te vois correctement, c'est nickel. Donc du coup, c'est bon si je mets là ça en... oh, ouais, c'est bon, t'es au top là. Ok, ouais, super. Bah écoutez, j'aime vous dire que si vous n'avez pas un tapis d'entraînement à la maison, vous avez tort, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir. Tous les golfeurs doivent avoir un tapis de putting à la maison. Nous, on a plusieurs d'ailleurs, on a la chance d'avoir plusieurs. Et ce soir, on va parler un peu de celle-là, que j'adore. J'adore tous mes puttings. Ils ont tous les avantages les uns et les autres. Et celle-là, j'aime bien parce que c'est quelque chose qui moi, quand je faisais des stages, je vais travailler des joueurs. Et comme dit Lewis, c'est le circuit européen. Quand je suis un peu ma fille aussi dans les tournois, les filles, ils travaillent toujours avec les petits gadgets, les fils, les tees pour orienter la face du club, etc. Et donc, j'en ai parlé un petit peu, bien entendu, du technique putting de base. On ne va pas entrer trop dedans, mais surtout de ce tapis. Alors, le principal, vraiment, c'est très important quand vous travaillez le putting à la maison. C'est de travailler sur un endroit plat. Il faut que c'est plat. Il faut que, quand vous placez votre tête du club square par rapport à votre trou, c'est plat. Comme ça, il n'y a pas de problème de déviation, de ligne à gauche. Il faut avoir le concept que quand vous regardez votre face du club, ça vise bien le trou. Ça a l'air tout bête, ça a l'air tout simple, mais c'est tellement, tellement important. Quand vous allez dans le tournoi professionnel, vous allez sur le putting green, partout sur les putting green, il y a les traces de peinture à 1 mètre, 1m20, partout. Et c'est toujours les endroits, au pratiquement toujours des endroits plats. Pourquoi? Parce que le pro, il veut savoir vraiment s'il est bien placé ou pas. Parce que si vous n'êtes pas bien placé, si quand je place la tête du club derrière la balle et j'ai la tête du club qui est ouverte, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, la balle va partir à droite, forcément. Peut-être je pense que je vise droit. Peut-être je pense que la face de mon club elle est square, mais il n'est pas. Il est ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Bon, la balle part à droite. Elle part à droite 2-3 fois. Après, je fais quoi? Je corrige. Je vais essayer de fermer le club. Je vais essayer de fermer le club avec les mains ou les épaules ou même avec la tête. Donc, il faut. Très important quand vous commencez votre entraînement, vous commencez avec la face du club square par rapport au trou. Alors, qui est bien avec ce tapis, tout simplement, vous avez, je crois que c'est Poulter qui a créé ce putting green, c'est ça? Oui, c'est le CS2 de chez InPoulter. Voilà.
et qui ouais, vas-y. Voilà, non, mais qui est absolument extraordinaire parce qu'il y a, il y a tout, il y a tout. Il y a d'abord la rail ici qui vous oblige à avoir un mouvement pendulaire, hein, pendulaire, ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Donc déjà, vous avez un feedback tout de suite. Hein, la face du club, elle est parfaitement square. Dad, keep going, huh? I'm just going to get a stabilizer. Okay. Keep going. Right. Donc déjà, si vous avez cette possibilité, déjà, vous allez voir tout de suite, si vous montez à l'extérieur ou à l'intérieur, vous allez voir tout de suite accrocher le rail. À l'époque, quand je faisais les stages, on mettait deux clubs par terre, ou deux tiges pour créer ce problème. Mais bon, là, ils sont malins, ils ont mis directement deux rails que vous pouvez ajuster par rapport à la taille de votre putter. Hein. Et la chose que j'adore, vraiment que j'adore, c'est ça. La ficelle, la fameuse ficelle qu'à l'époque j'avais. Et ça, on accroche comme ça derrière. Voilà. Et là, vous mettez votre balle sous la ficelle. Comme ça, vous pouvez voir si vos yeux sont directement au-dessus de la balle. Parce que forcément, si vos yeux sont trop à l'intérieur, vous allez avoir une tendance naturellement d'amener le club à l'intérieur ici. Si vous avez les yeux trop devant, bah, qui est très rare, vous avez tendance forcément à monter à l'extérieur. Donc le ficelle, il faut couper la balle en deux. Je crois qu'on voit bien avec l'appareil, Louis. Oui, très bien. Parfait. Le ficelle coupe la balle en deux. Donc de là, je place le face du club square, parce que je sais que je suis square. Voilà, je vois si la ficelle, elle est bien. Elle coupe bien la balle en deux. Donc mes yeux sont parfaitement au-dessus de la balle. L'œil gauche, parce que j'aimerais placer la balle plutôt vers le logo ici à gauche. Si j'avais un logo, c'est sur à gauche du sternum. Les pieds sont forcément parallèles. Pas, je dis forcément, non, pas forcément, mais c'est, vous pouvez avoir le pied ouvert si vous voulez. Mais c'est quand même plus facile pour l'animal d'avoir les pieds quand même droits. Et surtout, square dans ce sens, les deux pieds parallèles dans ce sens-là. D'avoir les deux pieds ouverts à l'adresse pour le putting, pour moi, ça incite un mouvement un peu trop arrondi comme ça. Donc je préfère avoir les deux pieds totalement square, perpendiculaire par rapport aux lignes du jeu. Je place le putter. Et de là, maintenant, j'ai une forte chance à faire un mouvement, un balancier assez square. On va voir. Ah! On dirait que je fais exprès. Mais oui, je fais exprès. Ils ont aussi ajouté deux tis que vous placez ici dans un petit trou. Tout ce qu'on peut enlever, hein. On peut enlever si on n'a pas besoin. Et ça vous oblige à concentrer encore deux fois plus. J'adore. Voilà. Voilà. Ouais, c'est malin quand même, hein. Deux petits tis là pour vous ouvrir la petite porte. Et ça vous oblige vraiment à concentrer. Vous ne pouvez pas à peine fermer les clubs ou à peine ouvrir les clubs pendant le mouvement. Vous êtes obligé de rester square. Je vous remets tête au-dessus, je coupe le balle en deux avec la ficelle. Souvent les professionnels, bah à l'époque, quand j'ai joué, on avait un petit tige en métal, voilà, comment on appelle ça, un porte-manteau en français, un porte-manteau en métal, c'est ça, Louis? Ouais, ouais. Un porte-manteau en métal, on coupait les deux bouts et on plantait dans le sol, hein, ça faisait un peu la ficelle. Et aujourd'hui, les joueuses, j'étais sur un tournoi il n'y a pas longtemps, tous les joueuses, ils sont à la peinture, hein, avec un petit bombe, clac, ils tapent sur une ficelle, ils tapent par terre, et vous avez un tracé de ligne tout à mon droit. Tout ça qui vous permet de, voilà, d'avoir bien que la tête du club est square. Je coupe la balle avec la ficelle, et là j'essaie de faire un mouvement assez neutre, pas rigide, voilà. Perfect. 2 sur 2. Donc, à ne pas faire, pour moi, les choses, c'est très simple. À ne pas faire, c'est un mouvement où il y a trop de poignées qui jouent. Je ne veux pas le poignet non plus rigide, léger sur le club. Un mouvement où il n'y a pas trop de mouvement avec la tête. La tête doit rester immobile. Un mouvement où les jambes ne bougent pas. C'est que les épaules qui bougent. Que le triangle entre les mains, la tête du club et les épaules qui bougent dans ce sens-là. Alors, on voit souvent sur ce type de putt, c'est la tête qui suit la balle. On veut savoir si la balle est dans le trou. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde.
Et souvent, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, on ferme le club, la tête du club va aller à gauche et la balle va à gauche aussi. Style. Ça. Donc, très important, garde la tête sur la balle. Et si à la limite, vous voulez regarder votre balle, vous pouvez toujours regarder en tournant la tête comme ça, comme si vous allez placer l'oreille sur un petit coussin, comme ça, clac, pour éviter de tourner carrément les épaules et les mains à gauche. Papa, je crois que tu as vraiment tout dit là. J'espère, c'était un peu court au niveau technique, mais bon, c'était le tout, c'était pour bien expliquer qu'il faut vraiment travailler ça. C'est au niveau technique, mécanique, quoi. C'est quelque chose qu'on peut travailler à la maison et on peut devenir un très bon putter. T'as bien mon putter Scotty là? Ouais, c'est pas mal. Je crois que tu as eu au téléphone aussi, non? Oui, c'est vrai, j'ai eu la chance de rencontrer virtuellement Scotty Cameron en milieu d'année. D'ailleurs, la vidéo est sur le journal du golf.fr. Et c'est vrai que c'était un très très bon moment. Scotty Cameron, c'est un bijou. Et donc j'ai ramené tous mes clubs cette semaine parce que je suis monté à Paris pendant plusieurs jours. Peut-être que vous avez suivi les différents lives qu'on a fait cette semaine. Et donc du coup, en l'occurrence, j'ai ramené tous mes clubs avec moi parce que les golfs donc sont officiellement ouverts demain. On va jouer mardi prochain au Golf Blue Green de Sainte-Maxime. Ouais. Et puis donc on est peut-être un peu rouillé là quand même. Hein. Mais pas avec ça. Je tape les balles tous les jours. Moi, je pense que je suis très rouillé parce que je me suis pas beaucoup entraîné. J'ai fait beaucoup de vidéos, beaucoup de lives pour essayer de continuer à vous coacher à distance hein, à travers ces lives et virtuel à travers les différents programmes que je propose aussi en ligne. J'ai créé des programmes d'entraînement justement durant le confinement qui ont été super bien reçus par la part des élèves de mon académie, mais également les personnes qui ne me connaissaient pas forcément avant le confinement ou avant ce deuxième confinement. Et mon père, lui, a pu bénéficier de ce programme. Il a effectué les exercices tous les jours que je lui ai proposé. Puis en plus de ça, il a utilisé cette structure d'entraînement ici sur la terrasse. J'adore. Tous les jours, tu as fait des putts. Tu as fait des coups de golf, donc je pense que mardi, c'est ça, c'est moi qui vais me prendre. J'espère parce que. Je parie pas d'argent mardi. Mais franchement, ce tapis de putting, c'est extraordinaire. C'est fabuleux, ça m'a permis de voir vraiment tout au niveau technique. Voilà. Tu veux terminer par faire un petit coup de golf pour les personnes qui veulent admirer ton magnifique, magnifique swing de senior, papa? Parce qu'on va faire des lives senior aussi dans les prochaines semaines. Pour les joueurs qui sont intéressés par des lives seniors. D'ailleurs, si vous regardez le journal du golf, donc le live d'aujourd'hui, si vous avez plus de 50 ans, donc vous êtes considéré comme un joueur senior. Mon papa a 62 ans cette année. Dites-nous si vous êtes senior dans la zone de commentaires et si ça vous intéresserait qu'on fasse des lives spéciales seniors. C'est senior amateur, c'est quoi que c'est 50, c'est 55 ? 55 peut-être ? Je crois que c'est 55. Bon, 50 pour les pros. 55. Voilà, 55, okay. 50 pour à les pros. À partir de 50 ou 55 ouais. Oui, ouais. Je crois que tu as raison. C'est 50 ans pour les pros et 55 pour les amateurs. Ouais. Donc si vous êtes senior et que vous souhaiterez voir un live dans les prochaines semaines, on va s'adresser uniquement à un public senior, dites-le nous dans la zone de commentaires, ça nous intéresse. Et si vous le souhaitez, posez-nous dans la zone de commentaires la problématique que vous avez actuellement en étant un joueur senior. Est-ce que vous avez du mal à tourner? Est-ce que vous avez un manque de distance? Est-ce que vous avez un manque de compression de balle? Est-ce que vous souhaitez améliorer votre petit jeu? Peu importe ce que c'est, dites-nous dans la zone de commentaires ce que vous avez remarqué aujourd'hui en tant que joueur senior. Qu'est-ce qui vous empêche de jouer votre meilleur golf? Donc dites-nous dans la zone de commentaires parce que nous, on lit tous les commentaires avec mon papa. À chaque fois qu'on finit les lives, on regarde tous les commentaires. Et puis du coup, on sélectionne les thématiques par rapport aux commentaires qu'on voit sur les lives précédents, n'est-ce pas papa? Donc du coup, la semaine prochaine, la semaine d'après, dans les deux prochaines semaines, on a 3-4 lives de prévu. Dans les prochaines semaines, on vous dira tout en début de semaine prochaine, mais on a vraiment beaucoup de super contenu qui arrive dans les prochaines semaines. Si ça vous intéresse, dites-nous dans la zone de commentaires quelle est la problématique pour les seniors que vous souhaitez qu'on aborde. D'accord, alors évidemment, on va faire d'autres lives, hein, pas uniquement pour les seniors, mais je sais que papa, toi, c'est un sujet qui te tient à cœur particulièrement. Et donc, du coup, on va en faire un. J'ai hâte de la faire parce qu'il y a quand même tellement. Depuis que je suis senior, il y a des choses que je fais différemment, oui, forcément. Mais j'ai penché sur le sujet pour les seniors parce que j'ai remarqué quand même depuis un certain temps, on perd un peu de distance, c'est moins régulier, etc. Et donc, j'ai commencé à dire, j'ai plus 20 ans. Et c'est vrai que le temps, il passe et on réalise. Tu as plus 20 ans, mais tu es quand même en très bonne condition physique. Donc, attention quand tu tapes la balle. De pas traverser le filet, il est très résistant ce filet. Allez, une bonne posture parce qu'on a travaillé la posture un peu, hein, ça va? Ouais, ok, allez, c'est parti. Oh. Voilà.
Merci à tous d'avoir regardé ce live et un énorme merci à notre partenaire de la semaine, Golf Atom. Oui, merci vraiment. Plus particulièrement Antoine Leleu et Félicien qui sont derrière ce site qui est absolument formidable où vous allez retrouver tous les outils que vous voyez là, encore une fois, que j'utilise au quotidien avec les élèves de mon académie. Donc un grand merci à lui pour sa réactivité quand je l'ai appelé et lui demandé des outils. Et puis en plus de ça, quand je lui ai demandé de rajouter l'outil TRS sur le site, c'était une suggestion évidemment de ma part. Et Antoine est vraiment top parce qu'encore une fois, comme je le disais, il se reconnaîtra, c'est qu'il est hyper à l'écoute des coachs de golf. Et donc à chaque fois qu'il a une proposition, il étudie, il regarde. Et s'il voit que c'est quelque chose qui peut aider les amateurs, dont vous, il le mettra à disposition comme il l'a fait avec le TRS. Donc TRS, le Pendulum Pro, ouais. C'est les deux outils qu'on a utilisés aujourd'hui pour le petit jeu putting. En début de semaine, on vous propose de re-regarder le live si vous n'avez pas vu les lives. On n'a pas fait le Pendulum Pro. Si. Si, le Pendulum, c'était l'outil que tu as utilisé. Ah, tu l'as pas montré celui-là pour le Non, je n'ai pas montré le Pendulum. Tu as montré le CS2. Que le tapis et le putting. On refera un live putting. Okay, le tapping, ouais. Le CS2. Parce que c'est quand même, tu as dépassé un peu le chemin. Oui, c'est vrai, j'ai tellement dépassé avec le TRS. Voilà, une autre fois. Désolé. Mais on refera une vidéo. On parlera du Pendulum Pro. On refera un live spécial putting. Donc, vous inquiétez pas, on a encore plein de vidéos qui arrivent de toute façon dans les prochaines semaines. Moi, je suis là jusqu'à début janvier. Donc, croyez-moi, il y a 5-6 semaines et on va faire du contenu toutes les semaines avec mon papa. Ouais. Merci à vous de nous avoir regardé ce soir. Un grand merci à Journal du Golf, Golf Atom encore une fois. Passez une excellente fin de semaine. Pour ceux qui vont rejoindre les parcours demain, soyez prudents, s'il vous plaît. Continuez à respecter les règles sanitaires. Distanciation, je sais qu'il y a tout qui a été mis en place par les golfs. Donc, pour pas qu'on retrouve un troisième confinement au mois de janvier, il faut que nous aussi, on fasse notre part de choses. Et quand on va retrouver les golfs, retrouvons-le de la bonne façon, comme ça on peut continuer à aller jouer en 2021 et qu'on ne se retrouve pas à nouveau à être bloqué en confinement. Papa, le mot de la fin pendant que j'éteins le live? Ben non, pas vraiment, mais pour moi, la distance, c'est toujours. Quand je joue avec toi, moi je suis toujours sur le fairway et toi tu es dans les bois. Donc on est toujours en bonne distance entre toi et moi. Voilà. Allez, top. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tout le monde. Et bon week-end.